Alors, salut tout le monde, aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo Pokémon Écarlate. Je sais, j'ai pas encore lancé le jeu, mais en fait c'est juste pour vous dire que en fait je vais commencer le let's play de Assassin's Creed 3. Finalement, je vais faire le premier épisode après Noël parce qu'en fait je voulais l'envoyer. Ça oui, ça je voulais l'envoyer. Mais j'ai pas pu. Parce que, en fait, j'étais bloqué. Bah, c'est pas que j'étais bloqué, parce que, en même temps, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et puisque j'ai pas eu le temps de faire le montage, bah, je ferai le mon. Bah, je commencerai le premier épisode peut-être tout à l'heure. Peut-être demain, je sais pas. Mais bon, on était rendu ici pour le deuxième épisode. Bah là, on est rendu à le deuxième épisode. Et là, il y aura Coraidon. Bah, on va voir Coraidon en bas. Et dans Pokémon Violet, finalement, j'ai terminé le Pokédex. Au complet, là, j'ai le Champ Chroma. J'ai eu un passe rouge que je pourrais vous montrer. Tout pile au montage, peut-être en haut, je sais pas. En tout cas, c'était un passe rouge shiny que j'ai fait évoluer en Brésil. Laisser ça. Coraidon. Ok. En fait, c'est littéralement pareil que dans Violet. Là, on va donner le sandwich. Et désolé de pas avoir fait de vidéo hier pour ma fête. J'étais occupée. En famille, j'ai fait ma fête, alors c'est normal. Ou pour les Français, anniversaire. Ce serait un peu mieux de dire ça. Des molosses. Les types ténèbres, j'aime trop les types ténèbres, moi. Mais bon, je sais que de toute façon, je vais mourir. One shot. Coraidon, t'es censé pouvoir les battre, tes types combat. Comparé à Miraidon, tu devrais pouvoir les battre. Tes types combat.
Ok. Bah ouais, c'est le légendaire Coraidon. Le légendaire de la jaquette. Mais bon, j'ai pas la boîte du jeu. Moi, j'ai directement acheté le jeu dessus. Oh, Piper. Le fils de Turum et le fils aussi de la fille professeur. Ok, teste mon niveau en combat. Un rond gourmand qui va devenir un rond grigou plus tard. Est-ce que mes Pokémon sont soignés? Ouais. Ah, je lui fais rien. Oh bah, je vais mettre quoi, toi. Bon, je vais vous montrer pourquoi mon écran est un peu trop petit en fait. Genre, vous voyez en bas, bah, c'est pas assez grand comparé normalement quand on joue. Genre, vous voyez pas beaucoup le B en bas de retour. En fait, regardez. Non, c'était pas ça, c'est ça. En fait, ça fait ça sinon. Et les bords noirs autour, je pense pas que vous aimeriez voir ça. Alors, je peux faire mieux que vous voyez pas. Oui, bah oui, à la place de trompette. Ça sert à rien de trompette. Allez, capturons un axolotl. Oh, il y a un pomme. Bon, puisque je sais comment faire les 1000 pas en vrai, est-ce que je capture pomme? Allez. Parce que maintenant je sais comment faire les 1000 pas pour le faire évoluer, bah. Allez. Niveau 5, ok. Je vais pas le faire perdre trop de PV parce que je voudrais bien utiliser Pomme pour affronter le petit garçon.
Bon, comment on pourrait appeler Pomme? Enchaîne-lui, il est très beau. En vrai, je pense que quand j'aurai terminé le Pokédex en vidéo sur ce jeu, je crois que le premier truc que je vais chasser en Masuda, c'est Pomme. Parce qu'il est très beau enchaîné. Surtout Pomme Marmotte. Attends un peu, ce que c'est une marmotte à la fin. Oh non, bon. Ouais, je lui ai donné le nom et... Pas Mims. Parce qu'il est trop Mims. Il est mignon. Surtout en chaîne, il est très mignon. Si vous voulez, bah... Peut-être je pourrais vous le montrer, quoique ça m'enchaîne dans une autre vidéo, mais pas cette vidéo. C'est pas insecte. J'ai pas d'attaque vol encore. Oh bah, allez, en voyant, coin de danseur. Bon, je pouvais pas mettre de R parce qu'il y avait plus de place. C'est bon. Pistolet à eau. Christian, ça sert à rien. Bon. Y a pas d'axoloto? Bah, peut-être pas ici en tout cas, mais peut-être dans la zone d'après. Oh, psychoquac, j'aurais bien aimé avoir un aquacoque. Mais non. Je prends pas les mêmes Pokémon des mêmes types. On dirait trop. Ah, voilà le flamant rose. Pomme. On va mettre pomme, ça va être un peu plus facile. Faudrait qu'il arrête de bouger pour que je le stun. Voilà. Ça m'en roule, sauvage. Ah, oh, bah en plus, il y a un axolotl. Ah, bah finalement, dans cette vidéo, on pourra capturer un axolotl. Paralysé? Oh, trop bien! Je vais faire attention parce qu'il peut me faire des gros coups. Ah, oh, bah il est encore paralysé. Ah, oh, bah c'est bien. Allez, on aura un flamant roule. Il est très fort ce Pokémon, sérieux. Finalement, lui, il pourrait nous servir pour la reine de type insecte. En vrai, flamant roule, là, ça a été tellement un nom que je lui aurais donné, alors en vrai, je peux pas donner de nom. Ça a été tellement un nom que je lui aurais donné. Bon. Il est où l'axolotl? Ah, oh, mais attends, mais c'est une mauvaise idée que je mets pas, mais en vrai, contre lui. Ah, oh, bah non, il a pas encore d'attaque type seul, Axolotl, c'est vrai. Bah, normalement, il en a pas encore. Et je sais déjà comment je vais l'appeler. Ah, oh, oui, il a une attaque seule. Ouf. Ok. Au moins, Pomme a tanké. Bonne danseur, allez!
1, 2, 3. Axolotl. Je sais déjà comment je vais l'appeler. En vrai, je pourrais toujours essayer d'avoir un Marest. Parce que oui, je sais comment avoir un Marest. En fait, il faut échanger un Axolotl de cette région avec contre un autre Axolotl. Bon, là, vous pouvez déjà savoir comment je vais l'appeler. Gros sac. Parce que oui, plus tard, c'est un gros sac. Bon. Y'a pas d'autres Pokémon que je voudrais bien ici? Non? On va bientôt arrêter la vidéo, là, ce sera pas long. Je vais juste prendre quelques petits objets et... peut-être quelques combos et genre. Ah, ok. On va faire le dernier flamant roulé en arrière la vidéo. Voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai. Ah, attends. Coffeton a pris une nouvelle attaque. Coffeton a pris une nouvelle attaque. C'est quoi? Aquajet, oui. Ah, mais t'es moins physique. Ah, bah, faudra avoir des aromates. C'est quoi? Pourquoi il me donne ça comme suggestion? Attends, il me suggère de faire ça? Mais pourquoi? Ah, ça j'aime mieux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, moi j'ai aimé. Lâchez un pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous. Et ciao tout le monde.